Les femmes voudraient avoir des seins parfaitement fermes tout au long de leur vie. Malheureusement, cela est impossible dans la plupart des cas. L'affaissement des seins commence généralement autour de 40 ans, mais il peut se produire plus tôt. D'autres facteurs peuvent aussi causer l'affaissement des seins, comme l'allaitement, la grossesse, la ménopause, la perte ou même encore la prise trop rapide de poids. Une intense activité physique, des carences nutritionnelles et aussi le fait de porter régulièrement un soutien-gorge mal ajusté. Une grande variété de crèmes, de lotions sont disponibles sur les marchés pour renforcer et tonifier les seins et aussi éviter leur affaissement. Toutefois, si vous préférez utiliser des méthodes naturelles, il existe de nombreux secrets de beauté, de remèdes maison simples que vous pouvez adopter sans danger pour avoir une belle poitrine sans chirurgie esthétique. Mais avant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, taguer un maximum de personnes pour faire connaître la vidéo et les aider par la même occasion avec des conseils de bien-être, des astuces, des remèdes naturels que nous mettons à votre disposition chaque jour. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications de toutes nos dernières vidéos mises en ligne. Certaines maladies comme le cancer du sang, des maladies respiratoires comme la tuberculose peuvent aussi provoquer des seins tombants. Ajoutons à cela la consommation excessive de nicotine, d'alcool, de boissons gazeuses qui peuvent accentuer ce problème. L'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui est une recette très efficace faite à base de concombre, d'œufs, de beurre de karité et d'huile d'olive qui vous fera retrouver la fermeté de vos seins, les tonifier par la même occasion. Un masque préparé à partir de concombre de jaune d'œuf. C'est un excellent remède pour relever les seins. Le concombre a des propriétés naturelles qui tonifient la peau. Le jaune d'œuf est riche en protéines et en vitamines qui peuvent aider à traiter l'affaissement des seins. Le blanc d'œuf est également bon contre l'affaissement des seins en raison de ses propriétés astringentes ou nourrit la peau. Les lipides hydroélectriques présents dans le blanc d'œuf aident à retendre la peau distendue autour de vos seins. Un autre ingrédient naturel pour affermir les seins est le beurre de karité. C'est une excellente source de vitamine E qui retend la peau pour donner à vos seins une apparence plus ferme. Ils aident aussi à prévenir les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Masser vos seins avec l'huile d'olive est une excellente technique pour raffermir les seins tombants. L'huile d'olive est une source riche en antioxydants, en acides gras, qui peuvent inverser les dommages causés par les radicaux libres, ainsi prévenir l'affaissement des seins. En plus de remonter la poitrine, elle distribue et améliore la texture, la tonicité de la peau. Alors, connaissant tous les bienfaits que ces produits peuvent apporter à notre poitrine, passons à notre préparation. Pour cela, vous aurez besoin d'un œuf, d'un concombre, de 2 cuillères à soupe de beurre de karité, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Commencez par casser vos œufs, mettez-les dans un bol, râpez votre concombre, ajoutez dans le même bol. Mesurez vos 2 cuillères de beurre de karité et d'huile d'olive. Remuez correctement vos ingrédients pour rendre le mélange homogène. Lorsque c'est prêt, mettez dans un bocal, mettez au réfrigérateur pour avoir une pâte plus ou moins solide. Lorsque le remède est prêt, massez vos seins doucement, de façon ascendante pendant environ 15 minutes pour augmenter la circulation et stimuler la réparation cellulaire. Laissez ensuite poser 45 minutes ou même plus avant de rincer à l'eau propre. Vous pouvez le faire de préférence le soir avant le coucher ou le matin avant de vous laver. Cela redoublera son efficacité. Faites ces massages au moins 4 à 5 fois par semaine. Il est très efficace pour redonner de la fermeté au sein, pour les empêcher de tomber. Conservez chaque fois au réfrigérateur, car le froid ou même la fraîcheur du remède stimulera vos tissus. Les seins apparaîtront plus fermes, plus tendus vers le haut. C'est un bon moyen de remonter vos seins. Voilà mes très chers, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Les filles, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, marquez-moi dans les commentaires « seins debout ». Je veux voir ce mot dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous remercierai personnellement. Pensez à jeter un œil sur mon site internet rosemunifashion.com si vous voulez des remèdes pour augmenter les parties, si vous voulez des remèdes naturels pour prendre soin de vos seins, de vos fesses et autres. N'hésitez pas. Bisous, bisous.